We will now hear from the president of the steering committee of the European Local Inclusion and Social Action Network, who will give his statement. As you probably know, Mr. Jean-Max Trouillet has extensive experience in the area of social services in the city of Marseille and was the coordinator of the first annual meeting of the project held in Curitiba last November. He is also the author of the Curitiba Manifesto, providing the final conclusions of the meeting. Mr. Trouillet, you have the floor. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter le réseau européen des politiques sociales, ELISAN, mais aussi de représenter le département des Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. Donc moi, je suis émerveillé par toutes les initiatives qui sont prises par nos collègues du monde entier. Et nous avons une communauté de difficultés, à la fois économiques, sociales, familiales, technologiques, médicales, des questions de santé. Et tout ça me conduit à tirer une conclusion. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Je le répète, je suis émerveillé par les différentes initiatives qui sont prises par les différents représentants qui se sont exprimés aujourd'hui, que ce soit des régions, des États, des départements et des villes. Et j'en retire une idée forte qui, face à cette pandémie extraordinaire dont nous ne connaissons pas à l'heure actuelle les limites, me conforte dans un certain nombre d'idées et de démarches. D'abord, je suis très heureux de voir que tous les thèmes, toutes les orientations qui ont été retenues par la Déclaration de Venise, la Fédération internationale des familles, tout ce qui avait été dit à Curitiba, tout ce qui avait été dit à New York se révèle exact. Nous avons fait les bons choix. Les thèmes qui ont été retenus par la Déclaration de Venise sont les bons thèmes. Les orientations prises par le manifeste de Curitiba qui dit que en 2030, sur 8 milliards d'habitants, plus de 5 milliards vivront dans les villes. Donc, nous validons avec cette douloureuse expérience que le bon niveau de résolution des problèmes, ce sont les villes. C'est pour ça que nous parlons de cité inclusive. Donc, nous sommes tous ensemble avec des choix pertinents. La ville inclusive, c'est le bon niveau de résolution des problèmes. Et à ce niveau-là, bien évidemment, les régions, les États, les départements ont un rôle à jouer. Mais l'acteur principal, l'acteur qui est au premier rang, en première ligne des difficultés, ce sont bien les villes. Ce qui veut dire quoi? Et là, j'en reviens à ce que nous avions vécu à New York. Il faut effectivement que les villes qui sont à l'avenir le lieu central de gestion des problèmes, le lieu où tous les problèmes se poseront à l'avenir, même si on constate aujourd'hui en France, avec un rebond extraordinaire de la pandémie, que les campagnes et la ruralité est touchée par la pandémie, mais le noyau central, ça reste les villes. Donc, je répète, bravo à la Déclaration de Venise, au manifeste de Curitiba, bravo à la Fédération internationale pour le développement des familles. Les options, les choix, les thèmes retenus sont les bons. Ce qui veut dire quoi ? Nous avions commencé modestement, et là je me tourne vers Daniel Abbas, nous avions commencé un modeste travail à New York pour que les villes aient une place de plus importante au sein de l'Organisation des Nations Unies, the United Nations. Oui, les villes qui sont l'enjeu du futur doivent avoir une place plus importante au sein des Nations Unies. Donc, apprenons les uns des autres. Mais faisons-nous reconnaître par les instances les plus hautes, ce problème de pandémie est universel. Les choix, les grandes orientations doivent venir en partie de l'Organisation universelle des Nations Unies. Donc, battons-nous pour que les villes inclusives soient reconnues au niveau des Nations Unies. Merci.